Voilà, bonjour à chacun. Nous attendons nos frères, ceux qui sont encore couchés, pendant qu'ils se réveillent, ou cherchent leur téléphone, nous les attendons. Gloire à toi, Seigneur. Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider ici? Quelqu'un dit que est-ce qu'il y a quelqu'un sur Carrefour pour m'aider? Quand on écrit là, on met CC, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un t'écrit, on met CC, on met CC. C'est coucou ou bien c'est comment? Ça signifie quoi? Pardon, aidez-moi. Comme il y a la soeur qui avait demandé à son mari que quand un homme t'écrit, il dit que je te désire chérie, ça veut dire quoi? Elle dit à sa femme que c'est à qui qu'on a écrit. Elle dit non, je demande seulement, elle dit non, non. Dis-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a écrit ça? Finalement, ils se sont trouvés devant le juge. Donc quand on écrit coucou là, je vois sur WhatsApp part de ce coucou. Coucou, ça veut dire quoi? Hein? C'est, ça veut dire coucou, merci. Et coucou veut dire quoi en soi? Hein? Vous savez que nous, moi je viens du nord, loin là-bas, là, nous on était des villageois. Momie qui a commencé le travail est parti tôt sans avoir fini tout. Et quand je suis un bon élève, je vais m'adapter. Voilà. Briser les limites avec Jésus-Christ. Briser les limites avec Jésus-Christ. Il y a une église glorieuse que Dieu est en train de susciter. Partout dans le monde, il y a une église glorieuse. Une armée puissante que Dieu est en train de susciter. Et le Seigneur a suscité des hommes de Dieu comme nous. Et bien dans le monde entier pour apporter la révolution dans la mentalité de son peuple. Vous savez que des grands changements ne commencent pas sans changement de mentalité. Nous allons prier. Seigneur, te bénissons pour ta grâce. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous as donnée. Père, c'est toujours une faveur pour nous de recevoir de toi le don du temps. Nous prions que tu nous donnes de bien utiliser ce temps, de l'utiliser à bon escient. Au nom de Jésus, amen. On va commencer par la prière. Prions au nom de Jésus. Le premier sujet de prière est très important. Nous voulons ouvrir les portes de cette journée. Vous savez que chaque journée a une porte. Celui qui possède les portes des journées ou bien possède la porte de sa journée a le succès de cette journée.
a la réussite et la prospérité que conserve cette journée et a aussi le pouvoir sur le mal que cette journée avait prévu. Voilà pourquoi les Juifs aimaient dire que l'Éternel te fasse posséder la porte de tes ennemis. Nous allons prier. Seigneur, donne-moi possession sur la porte de cette journée de lundi, afin que cette journée m'apporte tout ce qu'elle a de meilleur. Au nom précieux de Jésus, nous sommes dans la prière. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de posséder la journée de lundi. Nous prenons possession de la porte de la journée de lundi au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous contrôle sur cette porte. Donne-nous autorité sur la journée. Qu'elle nous donne tout ce qu'elle possède de bien, tout ce qu'elle possède de meilleur, tout ce qu'elle possède comme richesse, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, nous commandons que le mal qui a été prédit, qui a été programmé pour cette journée contre nos vies, nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, Seigneur, que ce mal soit rendu stérile au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse si tu as prié avec foi. Ça veut dire que tu viens de prendre possession de la porte de la journée de lundi. Et ta journée sera bénie de prospérité en prospérité, de victoire en victoire. Et tout ce que tu entreprendras sera béni. Nous allons prier maintenant. La Bible dit dans Ésaïe 3, verset 10, dites que le juste vivra, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Nous allons demander à Dieu de nous rendre prospères en cette journée et de nous faire jouir du fruit de notre travail. Tout ce que je toucherai, Seigneur, que cela soit béni, au nom de Jésus. Rien comme échec dans ma vie en cette journée. Tout ce que je toucherai, Seigneur, bénis l'œuvre de ma main en cette journée de lundi. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père Galita wa Anas Malefan wa Inès Morazo. Seigneur, nous revendiquons l'héritage des saints et des justes. Tu as dit que le juste vivra et prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Seigneur, rends-nous prospères en cette journée de lundi. Que la prospérité s'attache à nous, au nom précieux de Jésus. Seigneur, que la prospérité s'attache à nos maisons. Que la prospérité s'attache à nos foyers. Que la prospérité s'attache à nos familles, dans le nom précieux de Jésus. Donne-nous de jouir du fruit de notre travail en cette journée. Seigneur, tout ce que nous entreprendrons, bénis cela. Toute œuvre de la main de ton peuple, Seigneur, bénis cette œuvre dans le nom précieux et souverain de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un verset biblique qui est anti-esprit de blocage. Donc, tout blocage contre ta vie, tout ce qui avait été préconisé contre toi vient d'être brisé au nom de Jésus. Et le Seigneur te rend prospère en cette journée et surtout te fait jouir du fruit de ton travail. Vous savez que beaucoup de personnes travaillent, mais ne jouissent pas du fruit de leur travail. À la fin, leur salaire, c'est la frustration. De la frustration ne sera pas ton partage en cette journée, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Nous allons prier un autre sujet. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, la guérison est le pain des enfants. La guérison est le pain des enfants. Nous allons prier que Dieu nous donne la santé. Vous savez, sans la santé, sans l'embonpoint, on ne peut rien faire. Aucun homme sur la terre ne peut accomplir sa destinée s'il est malade, s'il ne se sent pas bien. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde la santé à son peuple dans le monde entier, que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais-le, nous sommes dans la prière. Seigneur, ta parole dit, il envoie sa parole, elle est guérie. Seigneur, merci parce que ta parole nous guérit. Il est écrit, par ce maître sur, vous avez été guéris. Seigneur, nous avons été guéris, pas que nous serons guéris, ou bien que nous sommes guéris. Avant de tomber malade, Seigneur, il y avait déjà la provision de la guérison. Aussi, nous prions, donne-nous la santé en cette journée pour vaquer à nos occupations, pour porter nos responsabilités au nom précieux de Jésus. Seigneur, nous prions que tous ceux qui sont malades reçoivent la santé, la guérison. Tous ceux qui nous suivent ce matin, qui sont connectés en direct, Seigneur, guéris-les de leur maladie. Quelles que soient les maladies, curables ou incurables, que cette matinée soit une matinée de célébration, de miracles, de miracles, de miracles, de miracles. Seigneur, donne la santé, donne des témoignages comme nous prions en direct. Seigneur, que les gens commencent à se lever. Que les malades, ceux qui se sont réveillés ce matin, étant malades, nous proclamons la guérison. Recevez la force. Recevez l'embonpoint. Recevez la guérison. Recevez la santé. Recevez la vigueur dans le nom puissant et souverain de Jésus. Prenez contrôle sur votre corps.
Prenez contrôle sur votre âme. Prenez contrôle sur votre santé. Reprenez possession de votre santé, car la santé est votre héritage. Qu'il en soit ainsi au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Toute maladie dans ton corps vient de quitter. Si tu as la foi, dis amen à la maison. Mais si tu t'es réveillé ce matin étant malade, tu sentais mal partout, tu sentais des courbatures, tu sentais des malaises, etc. Tu viens d'être délivré dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Tu dis amen et tu reçois par la foi. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, lorsque vous demandez une chose par la foi dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçue, vous verrez la chose s'accomplir. Donc que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour ces sujets de prière que tu as exaucés. Merci parce que notre journée est bénie, elle est achalandée, elle est embellie, elle est enjolivée. Et nous savons, Seigneur, que c'est parti pour de grandes réalisations. Tous ceux qui sortiront pour aller travailler seront bénis. Seigneur, tu combats déjà nos combats au lieu de travail. Au nom précieux de Jésus, au marché, donne la prospérité. Dans les affaires, donne la prospérité. Ceux qui voyagent en cette journée, préservent leur vie. Seigneur, pas d'accident ni d'incident. Nous te bénissons, nous te glorifions. Et en plus, nous demandons un entendement de disciples, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole et être nourri et aguerri pour la journée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous avons besoin de sa parole. David a dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Sa parole nous éclaire. La révélation de sa parole nous éclaire. Et la Bible dit aussi que sa parole fraye un chemin dans le désert. Donc quand la parole de Dieu est avec toi, elle te fraye un chemin. Vous savez, frère, l'Église a des problèmes. Nous sommes dans des problèmes. Nous sommes les derniers au monde aujourd'hui. Quand vous voyez, le monde est en train d'avancer, sauf les enfants de Dieu. Et il y a des erreurs qui doivent être rectifiées. Il y a des enseignements qui doivent être rectifiés. Je pense que ce mois, le Seigneur m'a donné ce fardeau dans mon cœur pour t'aider à comprendre un certain nombre de choses que nous avions mal comprises. Nous parlons de briser les limites avec Jésus-Christ. Nous avons été tellement limités en tant que chrétiens. Nous avons tellement été limités en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, on voit quelqu'un, lorsqu'il était païen, il prospérait. Vraiment, ses affaires marchaient. C'est vrai qu'il y avait quand même un peu de tricherie dedans, un peu de vol, oui, bon, mais quand même, ça marchait. Mais depuis que la personne est devenue enfant de Dieu, sa vie, c'est la médiocrité. C'est comme si on l'a maudite. Ça veut dire que même ta famille païenne est étonnée. On dit, mais quand tu étais encore catholique ici, là, lorsque tu étais encore religieux, lorsque tu étais encore païen, lorsque tu allais dans les boîtes de nuit, tes affaires, quand même, ça marchait. Depuis que tu es enfant de Dieu, comme vous le dites chez vous là-bas, et que tu dis que Dieu est avec toi, et que maintenant c'est la Bible que tu pratiques, et que tu as connu Dieu, et que Dieu s'est révélé à toi, c'est comme si on t'a maudit. C'est comme si tous les dieux étaient tombés sur ta tête. Explique-nous cela. Donc beaucoup de nos familles sont frustrées parce que ce qu'elles lisent dans la Bible, ou bien ce que nous leur rendons comme témoignage des promesses de Dieu pour son peuple dans les Saintes Écritures, quand elles regardent à nous, elles ne voient rien de ces choses-là. Alors ça fait qu'il y a un problème sérieux, vous voyez. Et donc nos familles deviennent incrédules, c'est-à-dire notre condition les rend incrédules. Ce n'est pas parce qu'elles sont méchantes, mais c'est qu'elles s'attendaient à voir quand même la lueur de la parole de Dieu, une lueur de l'espoir dans la famille, à travers nos vies, mais elles ne voient pas cela. Et c'est cela que Paul, ayant compris cela, dira dans, je pense, dans Romains chapitre 8, le verset 19, il dit « La création tout entière soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. » Vous voyez, le monde soupire, il attend ta manifestation, ta famille attend ta révélation, ta manifestation. On attend quelque chose de différent de toi, un témoignage puissant de toi. Mais cependant, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la galère, c'est les échecs, etc. Et puis ça amène ta famille plutôt à te persécuter, se forçant à te sortir de l'église où tu persévères, parce qu'elle se rend compte que ta vie va de mal en pire. Donc, elle comprend plutôt que c'est cette église qui est la cause. Et c'est vrai. Puisque quand tu n'allais pas dans cette église, quand même, ça allait. Vous voyez, par exemple, des jeunes femmes aujourd'hui, la jeune sœur, lorsqu'elle était païenne, vraiment, elle était toujours propre. Elle était bien, bien habillée, bien parfumée. Et elle se maquillait très bien, vraiment. Elle ne manquait pas d'être belle. Mais depuis qu'elle est devenue enfant de Dieu, elle est devenue comme une grand-mère de 60 ans. Ça veut dire qu'elle vient à l'église avec les cabas. On va au champ, le jardin des cabas. Elle veut mettre pour aller au champ, elle veut pour cultiver le jardin d'Éden. C'est ça qu'elle met pour venir à l'église. Sa famille ne comprend plus rien. Ses cheveux se sont éboulifrés. Et on dit éboulifrés ou quoi, en tout cas, dans tous les cas. Donc ses cheveux se sont enchevêtrés en sorte qu'elle a terni, elle est devenue terne. Elle s'est négligée, elle a commencé à se négliger. Et sa famille se rend compte qu'en fait, la femme, si l'enfant a perdu la gloire qu'elle avait. Ce n'est pas notre fille ici, ce n'est pas notre sœur ici. Et quand tu demandes à la sœur, elle dit que non, vraiment, c'est la sainteté, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification ne va pas avec la saleté ou bien avec la laideur. Au contraire, la vie de la sanctification va avec la beauté, avec le glorieux, avec l'éclat. Vous voyez, ça fait partie des erreurs. Beaucoup d'entre nous, nous avons cru qu'être chrétien voulait dire être médiocre, commencer à se négliger. Et c'est comme ça que beaucoup, étant devenus enfants de Dieu, se sont négligés. D'autres même sont allés loin.
en démissionnant même de leur travail pour chercher la face de Dieu, bien parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il n'y a pas de problème. Jésus revient bientôt, nous tous on sait ça, mais entre-temps, tu vas manger quoi? Entre-temps, si tu veux te marier, tu vas épouser la sœur avec quel argent? Tu auras l'argent où? Et à cause de cela, tu te réduis à la mendicité, parce que si tu ne travailles pas, tes besoins, tu ne peux pas les annuler. Les besoins sont constants. Le travail, tu peux démissionner du travail, d'accord, c'est ton choix. Mais tes besoins seront toujours présents. Tes besoins ne diront jamais que non, vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de travail. Alors comme ça, il n'y aura pas de besoin. On va diminuer un peu tes besoins, on va se réduire, on va réduire les besoins. Non, il y aura les besoins, tu auras besoin de manger. Si tu es malade, tu auras besoin d'aller à l'hôpital. Si tu veux te marier, tu auras besoin d'avoir l'argent pour doter la fille. Et si tu épouses la fille, il faudra avoir de l'argent pour l'habiller, etc. Ce n'est pas Jésus revient bientôt qui va nourrir la fille d'autrui. Ce n'est pas Jésus revient bientôt qui va envoyer tes enfants à l'école. Ce n'est pas Jésus revient bientôt qui va vous habiller. Ce n'est pas Jésus revient bientôt qui va vous amener à l'hôpital en cas d'urgence. Donc il faut comprendre une chose, nous avons été mal enseignés. Nous avons mal conçu l'évangile. C'est un peu comme lorsque Jésus-Christ dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Certaines personnes ont compris ça littéralement. C'est-à-dire que quand un frère, ses yeux convoitent une soeur, alors il arrache ses yeux, il cherche le tournevis ou bien je ne sais pas quoi, un crochet, il met dedans, il arrache. Il a mal écouté, il a mal compris, il a mal interprété. Vous savez, quand j'ai cru nouvellement, quand j'étais encore nouveau converti dans les années 94, tellement dans le zèle de plaire à Dieu, dans le zèle de la sainteté, le zèle de la pureté devant le Seigneur Jésus, à l'époque, j'ai beaucoup souffert de la masturbation. Beaucoup souffert de la masturbation. À l'époque, là, quand je voyais une fille là, c'était seulement ma tête. C'est-à-dire, les antennes s'élevaient partout, à gauche, à droite, sur moi. Et j'étais dérangé. J'étais un jeune converti. Je ne comprenais pas comment. Et je n'avais pas ce problème avant. C'est quand j'ai cru. Le diable a fait ça pour me troubler, vous voyez. Donc, je ne pouvais pas supporter voir une fille habillée de façon sexy. Et directement, là, pour moi, il y avait des communications partout en désordre dans les organes de mon corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce soit en pleine classe, parfois me lever, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que en réalité, tous les haut-parleurs étaient activés. Donc, dans cet état de choses, j'étais parfois découragé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai jeûné, j'ai prié, rien ne s'est passé. Parfois, je me mettais même à genoux sur des. Je mettais le gravier, je mets mes genoux dessus. C'est pour ça que mes deux genoux, là, quand vous voyez mes genoux, ils sont noirs. Il y a deux points noirs sur mes genoux, deux gros points noirs. Bon, à cause des prières à genoux pendant des années. Donc, et à un certain niveau, donc, comprenant que je n'arrivais pas à voir la solution, j'ai prié sans solution, j'ai jeûné sans solution, j'ai cherché le secours des frères et des sœurs sans aucune solution. J'ai pris donc une résolution et je suis allé demander quelque chose à Dieu. J'ai dit à Dieu, rends-moi impuissant. Seigneur, rends-moi impuissant. Rends-moi impuissant au nom de Jésus. Jusqu'au jour où je vais me marier, quand je me marie, maintenant tu me remets ma puissance. J'ai fait cette prière-là. J'ai fait peut-être 40 jours de prière pour demander l'impuissance à Dieu. Dieu ne m'a pas donné l'impuissance. Quand j'ai fini maintenant, j'ai dit à Dieu, ok, au nom de Jésus. Moi-même, je veux couper alors mon zizi maintenant pour être sauvé de l'impudicité. Et Dieu, si Dieu n'intervenait pas rapidement, je vous dis la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je serais sans zizi. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Et j'étais très décidé. Vous voyez, parce que nous comprenons mal l'évangile. Pour moi, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Voulait dire que si mon zizi est pour moi une occasion de chute, il faut le couper aussi. Et puis je le jette loin de moi. Et je continue. Je veux mieux entrer au ciel sans zizi que d'avoir le zizi et d'aller en enfer. Vous voyez. Donc, c'était un peu ça ma conception. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous comprenons mal les Saintes Écritures. Il y a tellement de choses que nous avons mal comprises. Et je veux parler aujourd'hui du concept de la prospérité dans l'Église. Vous voyez, je pleure sur l'Église de Jésus-Christ. Je pleure. Quand on regarde de façon globale, les chrétiens nés de nouveau sont les derniers, eux qui devraient être la tête. Jésus nous a laissé un héritage propre, clair et simple à comprendre. Vous êtes la lumière du monde. Umej esteto foston kosmon. Vous êtes la lumière du monde. Et dit Umej esteto alas tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Et dit vous êtes une ville située au sommet d'une montagne. Donc quand vous regardez le sel de la terre, c'est la primauté. Quand vous regardez la lumière du monde, c'est briller. C'est la prospérité, c'est le succès. C'est une vie de succès, une vie de prospérité, une vie enviable. Or, aujourd'hui, nos vies ne sont enviables en rien. Nos vies ne sont enviables en rien. C'est-à-dire que ce que Jésus veut dire, c'est quoi? C'est que les païens doivent envier nos vies. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui envient la vie des païens. C'est nous qui convoitons les vies des païens. Et je vous ai fait une remarque. J'ai dit qu'aujourd'hui, quand vous regardez attentivement, vraiment, ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que les enfants du royaume travaillent pour les non-croyants, pour les païens.
Au lieu que les païens travaillent pour nous, nous sommes devenus esclaves des non-croyants parce que l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé, qu'il nous a légué, eux, ils ont saisi ça mieux que nous. Et Jésus avait dit quelque chose avant de partir qui doit attirer notre attention. Il dit, les fils de ce siècle sont plus intelligents que ne le sont les fils du royaume. Mon ami, ça pose un réel problème. Certaines versions disent, les fils de ce siècle sont plus prudents que ne le sont les fils du royaume. Dans tous les cas, prudent ou intelligent, ça revient au même. Parce que la prudence est une conséquence de l'intelligence. Donc Jésus explique que les païens sont plus intelligents que nous. Un païen, quand il s'assoit, il demande, demain, je vais laisser quel héritage à mes enfants? Ma femme, si je meurs aujourd'hui, elle sera où? Le croyant, le né de nouveau, c'est que la vie éternelle, j'irai au ciel. J'irai au ciel. Tes enfants vont manger le ciel après toi. Si tu meurs là, ta femme, c'est le ciel qu'elle va manger. C'est le ciel qui va envoyer tes enfants à l'école. Les chrétiens ont mal compris la vie éternelle. Nous avons mal compris le christianisme. Et j'ai compris que cette erreur est venue de certains prédicateurs, eux-mêmes étant fallacieux, dans un évangile fallacieux, égaré et ambigu et ludique à la limite, sont venus vous prêcher des choses qui nous ont amenés dans des chaînes, qui nous ont plutôt amenés en captivité au lieu de nous donner la liberté. Et aujourd'hui, l'Église est en arrière. Pourquoi? Parce qu'on montre que les choses là, la richesse, c'est le monde, c'est les choses du monde. Et construire de belles maisons, c'est les choses du monde. Rechercher à avoir de grandes réalisations, c'est les choses du monde. Les païens ont donc possédé cela et nous ont possédé. Parce que celui qui possède la richesse, automatiquement te possédera aussi. Et donc, automatiquement, nous sommes obligés d'aller demander le travail chez eux. Combien de chrétiens ont des employés, ont des sociétés qui fonctionnent aujourd'hui? Nous travaillons presque tous chez les non-croyants. Actuellement, je fais mon direct à partir d'un hôtel. C'est un très grand hôtel qui est construit certainement par des non-croyants. Vous voyez? Bon, si un croyant, si moi je construis un hôtel comme celui-ci, qu'est-ce que les gens vont dire? Il a trempé. Lorsqu'un chrétien réussit, on dit qu'il a trempé, c'est un sorcier. Voilà notre mentalité. Dieu ne bénit plus. C'est de quel Dieu dont nous parlons? Dès qu'un frère est prospère, on dit qu'il a trempé. Dès que quelqu'un réussit, on dit qu'il a trempé. Quelqu'un, une soeur prend soin d'elle, on dit que c'est Jézabel. C'est quel genre d'évangile, c'est quel genre de milieu comme ça, c'est quel genre d'atmosphère comme ça. Nous-mêmes, nous avons créé une prison dans laquelle nous nous sommes embrigadés, nous sommes emprisonnés, nous sommes encadenassés, en sorte que nous sommes devenus la risée du monde. Nous sommes devenus un sujet de sarcasme, de raillerie dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons mal compris l'évangile. J'ai honte lorsque je vois des prédicateurs se lever pour dire que l'évangile, la prospérité est un faux évangile. J'ai honte. Lorsque je vois des gens se lever pour dire que quand on demande les offrandes aux chrétiens, nous sommes en train de les pousser et nous sommes en train de les escroquer. On ne devrait pas demander des offrandes. Frère, il y a des lois simples et claires dans les Saintes Écritures. Hein. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, je ne sais pas si la Bible que nous lisons est différente de la Bible que d'autres personnes lisent. Jésus-Christ a dit clairement, je pense dans Luc 6, verset 38, il dit que donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Il dit, Didomi, kajidote setai umin. Didomi, kajidote setai umin. Donnez et il vous sera donné. Il dit, vous serez mesuré. Quand vous serez mesuré, avec la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu donnes l'offrande à Dieu dans une bouteille comme celle-ci, c'est dans la même bouteille, dans le même récipient, dans le même contenant que Dieu mettra la bénédiction et l'exaucement pour te remettre. Si tu mets dans un fût, c'est dans ce même fût que Dieu mettra pour te donner. Donc, ça veut dire autant tu donnes à Dieu, autant tu reçois. C'est ça l'évangile. Ça, c'est le vrai évangile que Jésus-Christ a enseigné, a laissé. Et tous ceux qui sont venus parfois pour dire à Jésus-Christ que nous voulons te suivre, il leur a dit, va et vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Parce que si tu veux recevoir, tu dois donner. Donc, et les apôtres aussi ont enseigné cette même doctrine. La Bible explique clairement que... Oh, ça c'est terrible. Un instant. J'ai un petit problème ici. Reste en ligne, s'il vous plaît, je reviens. Ça, c'est orange. Ouvre l'esprit, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, je suis de retour. Le problème a été résolu. Je crois que c'est bon. Regardons, par exemple, orange maintenant. J'ai souscrit hier pour 1000 francs avant de me coucher. Il faut faire les 1000 francs. Ce matin-là, ils me disent que je ne peux pas continuer le direct si je ne leur donne pas leurs 1000 francs. Frère, tu ne vas pas venir, tu te mets à parler en langue. Tu dis orange, fais-moi un petit crédit de 1000 francs là. Et comme ça, là, je vais faire l'émission parce que je suis en train de prêcher l'évangile. Ils vont couper ton direct. Nous sommes dans un monde capitaliste, un monde matériel où le monde comprend que le langage du succès, la prospérité, de la richesse. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses que la Bible dit qui sont tellement claires sur ce sujet. Donc, quand je vois un prédicateur se lever pour dire non, l'évangile, la prospérité, c'est un faux évangile. Je me dis que c'est quelqu'un qui doit encore retourner à l'école
Il doit retourner à l'école, apprendre la langue française. Il faut faire la différence entre l'évangile du matérialisme et l'évangile de la prospérité. La prospérité, le mot prospérité reste, est répété plusieurs fois dans la Bible. Et j'ai dit que parfois aussi, l'éducation, quand, ça dit que tu ne peux manifester la connaissance de l'évangile qu'à la limite de ta connaissance séculière. Ça veut dire qu'à la limite de ton éducation, le genre d'éducation que tu as, le genre de culture générale que tu as, peut influencer ton ministère, tes prédications. Un homme de Dieu qui a beaucoup fréquenté ne peut pas s'exprimer de la même façon qu'un homme de Dieu qui n'est pas allé à l'école. Non, ils ne comprendront pas l'évangile au même niveau, parce qu'ils n'auront pas la même terminologie, ils ne comprendront pas la sémantique au même niveau, ils ne comprendront pas la polysémie, la polysémie des mots au même niveau. Non, celui qui a appris le français comprendra mieux comment véhiculer le message de l'évangile, parce qu'il comprend mieux le canal par lequel il passe le message. Celui qui ne connaît pas parler français, qui dit « je lui ai dit que je lui ai vu hier », automatiquement comprendra à son niveau intellectuel. Vous voyez, nous devons comprendre cela. L'Église a une responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes en arrière. Les chrétiens sont devenus médiocres. Nous devions posséder des hôtels comme ceux-ci. On devrait construire des hôtels. On devrait avoir des agences de voyage. On devrait avoir des stations pétrolières. Les chrétiens devraient posséder le monde. Les chrétiens devraient être les premiers investisseurs, influencer l'économie de leur nation, parce que c'est ce que la Bible a dit, c'est les promesses que Dieu a données. Voici ce que la Bible dit, par exemple, dans Deutéronome chapitre 28, et on va beaucoup méditer cette semaine dans ces promesses de Dieu-là. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, car il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Donc, premièrement, je dois être conscient que j'appartiens à l'Éternel. Je suis du peuple du Dieu vivant. Et que je dois être saint. Ma première responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mener une vie de sainteté. Je dois me purifier. Je dois me sanctifier. Je dois vivre loin du péché. Je dois vivre loin de ce qui peut me séparer de Dieu. Je dois vivre loin de tout ce qui peut m'amener dans des problèmes dans ma relation personnelle avec Dieu. Je dois me séparer de ces choses. Il faut que je sois conscient que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à un peuple qui est saint et j'appartiens à un Dieu qui est trois fois saint. Et je dois appliquer mon cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que ma force se trouve dans la parole de Dieu. Mon immortalité se trouve dans la parole de Dieu. Ma prospérité se trouve dans mon obéissance à mettre en pratique la parole du Seigneur. Donc un enfant de Dieu devrait chercher prioritairement à appliquer son cœur jour après jour, à lire la Bible et à la mettre en pratique. Dans ton lieu de travail, tu devrais être irréprochable. C'est-à-dire que quand on te vend d'avoir la Bible, quand on te vend d'avoir Jésus, lorsqu'on te vend d'avoir la vie des apôtres, dans ton lieu de service, au bureau où tu es, au marché où tu es, vraiment t'insultes, tu ne réponds pas, tu bénis les gens, tu es gentil, ton caractère sur le plan comportemental est exemplaire. Voilà, donc tu es un ambassadeur de Christ partout où tu es. Tu portes ce message de Christ avec joie et tu l'amènes vers ceux vers qui le Seigneur t'envoie. Donc, la première responsabilité, c'était donc de s'identifier comme appartenant au peuple de Dieu et à l'Éternel. Et automatiquement, ça a des implications. Changement de comportement, changement de caractère. Mauvais caractère, là, tu mets ça de côté. L'orgueil, altruisme, prétention, toutes ces choses-là, mégalomanie, toutes ces choses-là, tous ces sentiments malveillants, tu les mets de côté, tu deviens une personne humble, quelqu'un de fréquentable, quelqu'un de gentil, quelqu'un de compréhensible, et puis quelqu'un de compréhensif aussi, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui distille le bon sentiment de Christ autour de lui, quelqu'un que les gens aiment. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est dégagé, le parfum de Christ se fait sentir à travers la vie de cette personne-là. Donc tu portes cette responsabilité, ça c'est le premier principe pour entrer dans la prospérité chrétienne, la prospérité divine. Si tu ne t'appliques pas à mettre en pratique la parole de Dieu, alors automatiquement la première règle, la première loi, tu ne l'as pas encore appliquée. Il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et la Bible dit que tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alors, le Seigneur dit que si tu mets en pratique sa parole, alors la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que le nom du Seigneur sera invoqué sur toi. Il écrira son nom sur ton front, bien sur ta main droite. Et tu appartiendras à l'Éternel désormais. Il dit que tous les peuples te verront et te craindront. Ils te verront. Le fait que la Bible dise que tous les peuples te verront est très important. Le verbe voir ici, ce n'est pas dans le sens d'apercevoir une personne, non. C'est que toi qui n'étais pas vu, toi qui étais méprisé, rejeté, etc., toi qu'on ne voyait même pas, toi qui étais inexistant, désormais tu vas apparaître devant les gens. Les gens te verront, ça veut dire que tu vas exister, tu vas vivre, tu auras un poids, tu auras une identité, une place que les peuples, il ne dit pas que les hommes, il dit les peuples, les nations. Tu auras une influence internationale. C'est de ça qu'il est question. Donc il y a une grande gloire, une grande grâce
dans un cœur qui s'efforce à s'appliquer, à mettre en pratique la parole de Dieu, à plaire à Dieu dans son comportement, dans son caractère et dans sa vie. L'une des conséquences directes, c'est quoi? C'est que tu deviens visible par les nations. Dieu te donne une renommée internationale. Tu n'es plus la personne qu'on méprisait, la femme à qui on parlait n'importe comment, non, etc. Dieu change ta condition et cette condition impose le respect. Il dit qu'ils te craindront. Les gens te craignent, les nations te craignent. C'est-à-dire que partout, ta renommée dépasse les limites de ton pays. Ta renommée dépasse les bornes de ton pays et va dans d'autres nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cause de cette grande renommée, les gens commencent à te craindre. C'est-à-dire que les gens commencent à te respecter. Il n'y a plus de mépris, il n'y a plus de manque de respect dans ta vie. On ne te parle plus n'importe comment. On ne te considère plus comme dit n'importe quoi, comme a dit quelqu'un, comme un kala-kala. Non, mais on te respecte. Tu as une grande valeur parce que la prospérité qui t'entoure, que l'Éternel t'a donnée, impose le respect. La Bible dit que la sagesse même du pauvre est méprisée. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ta sagesse soit acceptée par le monde, le problème n'est pas la sagesse. Le problème, c'est la pauvreté ou la richesse. C'est qui t'entoure. Et j'ai expliqué une chose. Dieu a expliqué à Samuel clairement que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est très important. C'est une leçon que tu dois comprendre. J'ai expliqué aussi que plusieurs fois, j'ai connu le témoignage des frères ou bien des sœurs qui sont allés pour gagner un marché ou bien pour avoir un entretien, qui se sont très mal habillés et qui ont perdu cet entretien. Et puis, ils sont revenus après bien habillés et qui ont gagné l'entretien. Pourquoi? Parce que ceux qui recevaient, regardez à comment vous êtes habillés. Il y a des milieux, l'habillement peut changer ton identité. L'habillement peut t'élever ou comme ton habillement peut te rabaisser. Ça montre combien notre apparence influence l'homme. L'homme regarde à l'apparence. C'est Dieu qui regarde le cœur. Tu ne peux pas dire que non. Comme je vais à l'entretien, je veux m'habiller n'importe comment. Tu t'habilles comme ta grand-mère s'habillait. Même ta grand-mère, même si on fait les recherches, on trouvera qu'elle s'habillait mieux que toi. Voyez. Mais tu t'habilles comme ta grand-mère, tu vas là-bas, on te chasse. Et tu dis, non, j'ai un esprit de rejet. Tu n'as pas un esprit de rejet. Aucun esprit de rejet n'est sur toi. C'est pour ça que parfois nous accusons le diable. Le diable lui-même est étonné devant Dieu. Ça, il suit sur lui-même. Il a des soubresauts. Il regarde Dieu et dit, moi, non. Regarde combien de kilomètres je suis de lui. Pourtant, ta responsabilité est sur toi-même. Tu ne travailles pas parce qu'il y a un esprit de rejet, mais parce que tu es trop sale. Tu te négliges. Les chrétiens se négligent tellement. Les sœurs chrétiennes se négligent. Tu regardes une sœur. Tu n'as même pas envie de demander sa main. Tu n'as pas envie de demander sa main. Et puis la sœur dit, non, c'est le rejet, etc. Non, non, ce n'est pas le rejet. C'est que tu es sale. Tu ne prends pas soin de toi. Toi, quand tu es devenu, quand tu étais païenne, souviens-toi. Tu avais des parfums rangés chez toi. Aujourd'hui, on t'a dit que c'est la mondanité. On t'a trompé. Même Jésus-Christ a dit ceci. Il dit que même lorsque tu gênes, ne dis pas que je gêne. Il dit, lave-toi. Parfume jusqu'à ta tête. Verse le parfum sur toi. Et ça, c'est l'influence de la cosmétique. Il parle de la beauté. Hein, si tu te parfumes déjà, ça fait partie des choses de... Comment vous appelez souvent ça? La cosmétique, hein, c'est la cosmétique. Hein, Jésus lui-même, ça dit qu'il se lavait, il se parfumait. Et s'il avait son lait de toilette, là, il met son lait de toilette. Vraiment, c'est important. Il y a des églises chrétiennes aujourd'hui qui disent que c'est des églises de croyants, de nés de nouveau, où on interdit aux chrétiens de se parfumer. On interdit aux chrétiens d'utiliser les laits de toilette. On interdit aux chrétiens même de se laver beaucoup. Quand tu te laves trop, on dit que tu es devenu charnel. Donc, un frère, je connais des églises où on interdit mon soeur de se tresser. Je bénis même Dieu pour les églises où on dit que non, si une soeur n'a pas le foulard, elle n'est pas chrétienne, elle n'a pas cru, mais qui accepte quand même que les soeurs se coiffent ou bien se tressent. Vous voyez? Donc, c'est très important. Ces choses aussi, nous devrions comprendre que cette doctrine n'a aucun fondement biblique. Non, c'était une grave erreur. C'était des hérésies qui nous ont été enseignées. C'est un mauvais héritage. Et aujourd'hui, pour essayer de rattraper le niveau, ce n'est pas facile. Pour résoudre ce problème, ce n'est pas facile. La semence a été ancrée profondément en nous que ça prendra le temps pour que les chrétiens comprennent le retard qu'ils ont pris à cause des fausses doctrines qui leur ont été enseignées. Quelqu'un travaille, il vient dans l'église. On veut lui dire que Dieu t'appelle à son service, donc Dieu te dit de renoncer à ton travail. On a donc des ingénieurs chômeurs dans l'église, on a des professeurs chômeurs dans l'église, on a des magistrats chômeurs dans les églises, on a des anciens ministres. Ça veut dire que le gars était ministre quand il était païen. Dès qu'il a cru, il a démissionné. Vous voyez? Et ça pose un réel problème. Ça pose un problème. On a des frères qui, lorsqu'ils étaient non-croyants, les gars avaient une vision politique. Ça veut dire qu'aiguë, l'onction de David leur avait été donnée. Les gars étaient partis pour devenir des présidents, pour devenir des députés, avoir des députés, etc. Dès qu'il croit, la première chose qu'on lui enseigne, c'est que la politique est du diable. Il doit renoncer à cela. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Tous les rois bibliques étaient des politiciens.
Et alors, si nous refusons la politique, mais tu veux quand même que le président de la République vienne chez toi, il ne peut pas venir chez toi, il a son prêtre, il a son église. L'église catholique, par exemple, a préparé beaucoup de ses enfants à occuper les postes les plus importants. Et c'est pour ça que l'église catholique est puissante. Beaucoup de présidents des nations sont des catholiques ou des protestants. Ces églises ont compris cela. L'islam a compris qu'une religion ne peut pas avoir d'autorité si elle n'a pas des élites dans la société. Elle a permis à ses membres de faire de la politique, etc. Et beaucoup de présidents sont musulmans. Donc nous ne pouvons pas, dans notre cas, revendiquer des présidents dans nos églises tout en disant que la politique n'est pas une bonne chose. Et ça pose problème, c'est une contradiction. Tu ne peux pas dire que je veux les ministres. Vous savez qu'au Cameroun, par exemple, pour être ministre, il faut être un politicien. C'est ça la vérité. Donc tu ne peux pas dire que je veux les ministres dans mon église et puis tu ne veux pas que tes enfants fassent la politique. Il faut faire attention. Nous avons mal compris l'évangile. On a mal interprété l'évangile. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune possession dans le monde. On nous piétine. Tout le monde nous méprise. Tout le monde nous insulte. Tout le monde a horreur de nous. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune autorité. On nous a enseigné la médiocrité. Nous avons vécu dans cette médiocrité. Et nous avons transmis en héritage à nos enfants la même médiocrité. Non, il faut que l'Église se réveille. Nous nous sommes endormis pour longtemps. Il faut que l'ambition que Dieu nous a laissée comme héritage puisse venir. On doit définir vraiment le sel de la terre. On doit devenir aujourd'hui véritablement la lumière du monde. Il faut qu'on soit cette ville située au sommet de cette montagne. Nous sommes des villes cachées dans l'ombrage des vallées. C'est ça la vérité. Donc, il y a cette contradiction dans l'Église aujourd'hui. Et donc, on multiplie les chômeurs. On a des personnes qui ont des diplômes, mais on leur empêche d'aller travailler. Un frère veut travailler, il a la licence, il a la maîtrise, il a le doctorat. On lui dit que non, le Seigneur t'appelle à le servir, donc il faut arrêter de travailler. Et c'est une grande erreur. Maintenant, il ne travaille pas. L'Église, donc, va avoir de grandes réalisations. Comment? Il faut faire attention. Vous, un frère vient, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur, sauveur personnel. Il avait des boissons, des dépôts de vin, de boissons. Je connais une histoire comme ça. Un frère qui avait des dépôts de boissons, le gars avait des... C'est-à-dire que c'était un multimillionnaire, des centaines de millions de chiffres d'affaires. Quand il a donné sa vie au Seigneur, la première chose que le pasteur lui a dit, c'est que le vin n'est pas une bonne chose et il faut arrêter parce que la Bible dit « Ne verse pas ton poison ». Parlant du vin, je pense dans Isaïe chapitre 11, dans l'outre de ton frère pour l'empoisonner avec ton poison. Donc, on a fermé. Il a fermé tous les dépôts. Il a fermé tous ses dépôts. Et aujourd'hui, c'est un benskineur. Ça dit benskineur au Cameroun, c'est ceux qui font la moto là. Et même la moto là, il n'arrive pas à envoyer les enfants. C'est quelqu'un qui a près de 10 enfants. Il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Oh, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Si quelqu'un fait une activité qui est mauvaise, par exemple comme le dépôt de boissons, qu'on l'aide à transporter son champ de prédilection dans son commerce, dans un autre domaine. Qu'on l'aide à déménager du dépôt de boissons, la vente de la boisson, à la vente d'autres choses qui ne soient pas condamnables, d'une autre chose qui soit bénéfique pour la société, bénéfique pour lui-même et pour l'Église. Maintenant, si l'Église serait une accumulation, un agglomérat, un conglomérat de chômeurs, alors nous serons riches comment? On aura l'autorité comment? Puisque après cela, vous dites aux gens de ne pas travailler. Ils ne travaillent pas. Et ils n'ont pas l'argent à la fin du mois, il faut payer le bailleur. Le bailleur, tu ne viendras pas, le bailleur, il veut demander son argent, tu lui dis charab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 
D'où vient-il aujourd'hui qu'on dise aux chrétiens que ceux qui cherchent à posséder la terre sont des charnels? Et les mêmes pasteurs reviendront vous dire de payer la dîme. Tu vas payer la dîme comment? Puisqu'il t'a dit de ne pas travailler. Puisqu'il t'a découragé de ne pas aller chercher l'argent. Les chrétiens doivent sortir travailler. Allons, travaillons. Nos enfants doivent fréquenter. Laissez-les aller jusqu'à l'agrégation, on a besoin d'eux. Celui qui a le don d'être politicien, encourageons-le. Vous pensez qu'un pays comme le Nigeria aujourd'hui, s'il décide qu'un chrétien sera président, le chrétien là sera président. Il suffit qu'il prenne une personne et toutes les églises ensemble viennent et décident que, ok, toi tu seras notre candidat. Et puis un candidat de l'église, je vous dis la vérité, il y aura un président qui sorte de l'église et qui défendra les intérêts de l'église. L'église est persécutée aujourd'hui par des personnes qui travaillent dans les administrations dans nos nations parce que ces personnes-là ne sortent pas de notre milieu. Parce que ces personnes-là ne connaissent pas notre milieu, ne sortent pas de notre milieu et donc ne comprennent pas les réalités de notre milieu. Quand un président est musulman, tu peux parler fort aux musulmans dans ce pays. Ou quand un président est catholique, tu peux parler fort à l'église catholique dans ce pays. Quand un président est protestant, tu peux parler fort à l'église protestante dans ce pays. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il est le premier garant de la sécurité de la religion d'où il vient. Donc c'est la même chose. Nous n'avons personne devant. Lorsque les lois sont votées contre nous, il n'y a personne de nous là-bas pour nous défendre. Parce qu'on dit que la politique, ce n'est pas bon. Non, ne sois pas maire, ne sois pas député. Non, non, n'entrez pas, ne sois pas sénateur. Parce que c'est être politicien. Frère, il y a la politique biblique. Nous pouvons apporter la vraie politique au monde. On peut apporter dans nos nations la véritable politique. La politique selon Dieu. Dieu est intéressé dans les affaires de la cité. Juste parce que nous avons mal compris le mot politique. Parce que le niveau étudiantin était bas en tant que prédicateur. C'est pour ça que tout prédicateur mal éduqué qui tient la Bible entre ses mains est un danger pour l'Église. Il fera du mal à l'Église et non pas du bien à l'Église et au corps de Christ. Aujourd'hui, nous sommes tellement pauvres dans notre mentalité que quand quelqu'un achète une voiture, il a vendu quelqu'un. Il a vendu quelqu'un pour acheter la voiture là. Quelqu'un construit la maison, non, il a trempé. C'est qu'il a vendu quelqu'un. Il faut vendre quelqu'un aujourd'hui pour manger. Il faut vendre quelqu'un aujourd'hui pour travailler. Il faut vendre. C'est ça la mentalité rétrograde de l'Église. Voici l'hôtel-ci. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller dans une radio et dire là-bas que non, on a construit l'hôtel si la personne a trempé. Quand c'est le païen qui fait, c'est normal. Amen, c'est bon. On va déposer le dossier chez lui. Mais quand c'est un frère en Christ qui le fait, on dit que c'est un sorcier. Il a vendu son père, il a vendu sa mère. Hein? C'est pour cela. C'est cette mentalité de pauvreté qui fait qu'on ne sera jamais riche. Et nous ne pouvons avancer que si nous brisons ces bêtises-là, si nous nous séparons de ces bêtises-là. La Bible dit que je te comblerai de biens matériels. Il va te combler. Moi, je crois en ça. Tu ne crois pas, reste dans ta pauvreté. On va se retrouver au ciel dans la richesse d'en haut. Mais je veux vivre bien sur la terre. Toi, tu seras en train de souffrir. Je veux manger le riz parfumé. Toi, tu seras en train de manger le riz avec les charançons. Je vais, pendant que tu seras en train de manger le saumon, on va te dire que le saumon, tu vas demander que c'est le nom d'un 13e apôtre ou bien c'est quoi. Que saumon, c'est quoi? Il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la belle vie. Dis que saumon, saumon, c'est quoi? Le saumon, c'est encore qui? C'était un frère bien cher. Il avait cru. Et s'il avait été battu, il parlait en langue. C'est ça. Tu parles de caviar, caviar. Caviar, on te demande que c'était le village de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. Les enfants de Dieu sont tellement recroquevillés, sur eux-mêmes coupés des réalités que Dieu leur a données. Comme Dieu nous a donné, on a refusé. Les païens ont pris. Et ils nous ont devancés. Ils sont partis avec. Maintenant, on est obligé d'aller quémander chez eux. Ils nous insultent, ils nous maltraitent pour nous donner l'argent à la fin du mois. C'est ça la vérité aujourd'hui. Hein? C'est nous qui devions posséder la terre. Il dit, la terre m'appartient, je la donne à qui je veux. Or, si j'honore le Seigneur, la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Il nous honore comme il dit, je te comblerai de biens. Combler veut dire qu'il y aura en abondance des biens. C'est-à-dire que tu seras riche. Tu auras des sociétés à gauche, à droite. Hein? Est-ce que ce n'est pas bien? Hein? Imaginez-vous, on a besoin de ça. Des chrétiens qui ont des sociétés partout. Hein? Des chrétiens plus riches que Dangote, plus riches que Force Victor. On a besoin de ça à l'église. C'est ça qui nous fera parler. La Bible dit que la sagesse du pauvre même est méprisée. C'est-à-dire que même quand tu dis quelque chose qui est censé dans cette génération, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le succès, tu es méprisé. Une femme qui n'a pas, les hommes piétinent sur toi. La façon dont un homme s'adresse à une femme qui a l'argent est différente de la façon dont un homme s'adresse à une femme qui n'a pas l'argent. C'est la réalité. C'est le monde. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Donc on va continuer demain. Et puis tu vas venir qu'au nom de Jésus, je suis Saint-Esprisé. Saint-Esprisé. C'est d'esprit, c'est que le Saint-Esprit te donne la nourriture, allons voir. Donc nous devons changer de mentalité. Les chrétiens doivent travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu comme une pratique de sorcellerie. Seigneur, donne-moi l'argent au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'argent au nom de Jésus. Maintenant, on te propose le travail, tu ne veux pas faire le travail.
Donc Dieu va descendre l'argent par l'échelle avec les cordes, ça va descendre les cordages célestes et l'argent va descendre, tu vas ramasser dedans. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Dieu est travailleur et il est le père des travailleurs. Les vrais enfants de Dieu sont caractérisés par le travail. Regardez aujourd'hui, je ne reste presque pas chez moi. Tous les jours que Dieu a créés, j'ai culte. Tous les jours, je prêche lundi, je prêche mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je prêche. Maintenant, il y a des résultats. Dieu me bénit. Et notre pasteur va rester comme ça, paresseux dans son coin. Il ne prêche que dimanche. Peut-être encore mardi ou mercredi. Laquelle prêche même. Après, quand Dieu me bénit dans mes multiples missions, et puis je vais acheter une voiture, et puis je veux construire une église comme on est en train de construire, on va dire que je suis sorcier. Je ne suis pas sorcier. La vraie magie, c'est le travail. Celui qui travaille mangera. Et Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Une sœur m'a vu dernièrement, elle me dit que papa, j'ai besoin d'aide, ma fille ne va pas à l'école. Et j'ai payé la pension de sa fille depuis quelques années. Et je lui ai dit, écoute, on ne peut pas aider indéfiniment quelqu'un. Tu ne peux pas vivre aux dépens des autres. Tu n'es pas un parasite, ou on dit un parasite, ou une parasite, pardon, mais comme tu veux. Donc, je lui ai dit, il faut travailler. Hein? Ce n'est pas une gloire de voir qu'une maman comme toi doit quémander pour que son enfant aille à l'école. Tu l'as donc accouché pour quoi? Hein? Un vrai parent, sa fierté, c'est de voir que lui-même porte la responsabilité des dépenses de son enfant. Sinon, tu n'es pas un vrai parent. Et donc, je lui dis, OK, va travailler à la radio. Elle est allée là-bas, elle n'a pas fait une semaine, elle a fui, la paresse. Mais elle veut qu'on lui donne l'argent. J'ai dit que je ne donne plus l'argent à quelqu'un qui a les moyens de travailler et qui refuse de travailler. Et ça, c'est une décision que j'ai prise récemment. Et ça, je ne joue pas avec. Je ne peux plus sortir 5 francs pour donner à quelqu'un qui a la capacité de travailler et qui ne travaille pas, qui refuse de travailler. Parce que c'est encourager la paresse. Nous, j'ai vendu le CD, les CD. Moi, je suis allé au marché parce que je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Je portais les bagages, les bambins. On appelle ça bambins. Au marché, en tant qu'enfant de Dieu. Hein. J'ai vendu les mangues sur ma tête pour avoir de quoi, pour voir mes besoins. J'ai fait le Benskin, hein, la moto, pour avoir de l'argent, pour ne pas devenir esclave des autres. Je me suis battu. Tout ce que je pouvais faire, j'ai même écrit des tableaux, des versets bibliques là, pour aller vendre aux frères. Nous l'avons fait. Pourquoi? Parce que nous avions compris que la dignité d'un homme ne peut être remplacée ni par l'argent, ni par l'or. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Les habitants de Douala, je suis à Douala, donc nous avons commencé, on travaille, on doit briser les limites. Briser complètement les limites dans ta vie et dans ta famille. Donc, tu aimes ta vie et ta famille, ne manque pas ce soir à partir de 16h. En Dogbon, derrière l'immeuble de Kamlé. J'appelle tout Douala, je vous invite, le Saint-Esprit a quelque chose de glorieux pour ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut redonner la gloire à son église et à toi aussi. Il veut redonner la gloire à ton enfant. Il veut redonner la gloire. Il y aura prière et onction générale ce soir à partir de 16h. Dieu se manifestera. Ta mentalité doit d'abord être brisée, délivrée de ces barrières, des barrières invisibles et maléfiques que le diable a mises en toi, dans ta tête, pour limiter ta vision. Quand tu seras délivré dans ta mentalité, alors ta vie sera complètement libérée de toute frustration. Tu verras ce que Dieu fera. Donc si tu es à Douala, tu ne viens pas, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Vraiment, c'est une grande saison pour la ville de Douala, c'est une très grande saison. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, qui ont toujours décidé que je vais venir, qui ne sont jamais venus. Si tu rates la saison-ci, je ne sais pas s'il y aura une autre saison comme celle-ci, c'est une grande saison. C'est une saison des hauteurs. Donc, habitants de Douala, je vous attends très nombreux. Quel que soit ton cas, problème de blocage, de malédiction, de limitation dans ta famille, dans tous les domaines. Ça peut être sur le domaine sentimental, ça peut être financier, ça peut être marital, etc., etc., etc. Dieu va briser les limites dans nos vies au nom précieux et souverain de Jésus. Donc je t'exhorte en tant qu'habitant de Douala, s'il te plaît, ne manque pas, ne manque pas, ne reste pas chez toi. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il y a un vent qui est en train de souffler sur l'église de Dieu en ces derniers temps-ci. Dieu m'a dit qu'il y a une grande prospérité qui arrive. Mais avant qu'elle n'arrive, les chrétiens doivent changer de mentalité, doivent être délivrés de la mauvaise mentalité. Tu dois accepter que Dieu est le Dieu de la prospérité, qui peut te rendre prospère, que ton enfant que tu as accouché si, n'est pas accouché pour être un vaurien demain, pour être un bandit, un mendiant. Non, mais pour être un grand dans la société. Si nous croyons que Dieu est le Dieu qui fait de grandes choses, alors, quand cette saison viendra, nous entrerons dans la saison des grandeurs. Et que Dieu te rende grand, qu'il rende ton nom puissant au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, Dieu lui donne la double portion immédiatement au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Je veux prendre quelques appels ce matin. Je veux communiquer avec toi. Vous avez le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp. Tu peux nous appeler au numéro WhatsApp là directement qui est le plus 237 672 13 03 23. Plus 237 672 13 03 23.
plus 237 672 1303 23. Donc tu peux appeler immédiatement, bien écrit, laisser ton message là-bas et je veux prier avec toi. Vous voyez, frère, et donc cette mentalité a fait aujourd'hui que les chrétiens sont devenus tellement chiches, tellement chiches. Je vous dis la vérité. Laissez-moi prier avec quelques personnes rapidement. Allô, bonjour. 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 Oui, bonjour. Bonjour. De Yaoundé. D'accord, quel est votre sujet de prière ce matin? Allô, bonjour. Merci, papa, pour l'enseignement. Mon sujet de prière, c'est que depuis que je suis Rima à la télé, je suis votre programme jusqu'à la le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Il a brisé, il y a certaines limites. Amen. En train d'être brisé. Je rends gloire à Dieu. Amen. Oui, ça, il y a un niveau d'information. Waouh, ça c'est extraordinaire. Que Dieu la bénisse. Vous voyez, elle dit que depuis qu'on a commencé ce programme, Dieu a brisé des limites dans sa vie. Toi aussi, tiens un témoignage de brisement de limites, s'il te plaît. Joins-moi ce matin au nom souverain de Jésus-Christ. Et laisse-nous partager ton témoignage. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô? 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 Ok, la personne partie, on va prendre quelqu'un d'autre. Ça, c'est les appels internationaux qui dérangent. On va prendre cet appel. Allô, bonjour? Bonjour, quoi? Oui, bonjour, vous appelez d'où, s'il vous plaît? La personne partie. Elle n'a pas vérifié peut-être les crédits ou sur le réseau, alors. On va prendre un autre appel. Allô, bonjour? C'est les bips ou quoi? Donc ça, c'est quoi ça? C'est les bips? Ok, d'accord. Donc, le numéro WhatsApp, vous l'avez, j'ai dit, c'est plus 237 672. On va prendre cet appel. Allô? Bonjour? Allô? Bonjour, mon père. Oui, vous appelez d'où? J'appelle depuis Yaoundé. D'accord, quel est votre sujet? C'est un témoignage, un sujet de prière. Je veux essayer de prier. D'accord, allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Oui, je veux pour ma fille qui fait le 7. Ce mois-ci et pour moi aussi, pour la santé. D'accord, merci. Père, je prie pour sa fille qui fait l'examen au nom de Jésus. Quel est le succès? Je prie que maman soit guérie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prépare ta bouteille d'eau. Hein. Tout à l'heure, là, on va prier et boire. Et le Seigneur va te restaurer au nom puissant et souverain de Jésus. Allô, bonjour. 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 Oui, vous appelez. Bonjour. J'appelle depuis Niki Nimeki. D'accord, quel est votre sujet? C'est un sujet de prière ou bien un témoignage? Un sujet de prière, pasteur. J'ai mon souffle ici. Les parents, mon père m'a laissé mon terrain, papa. Mm-hmm. Tout le monde se partage. Il y a même celui qui s'est vanté qu'il a tué mes enfants pour ça. Oui. Je suis debout, ça y est. Vous voulez récupérer le terrain. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie que son terrain soit récupéré. Seigneur, que ce qui lui appartient lui revienne. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. Il y a les appels internationaux que je voudrais privilégier. Je prends ici. Allô, bonjour. Vous aussi au Cameroun, n'appelez pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. Laissez ceux qui sont loin. Allô? Bon, vous appelez du Cameroun, vous n'avez même pas la bonne connexion. Hein? Allô, bonjour. Ok, dommage. Allô, bonjour. Prépare ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau. Nous allons prier tout à l'heure, s'il te plaît, pour bénir ta journée. Allô, bonjour. Vraiment, on va raccrocher. Laissez l'occasion à quelqu'un. On va vite, on court. On est en train de courir. Allons-y. Seigneur, merci parce que tu es bon. Que ton nom soit loué au nom souverain de Jésus-Christ. Allô, bonjour. Allô, bonjour, prophète. Bonjour, vous appelez d'où? J'appelle de chez Béli. C'est le village en Bankolo. D'accord. C'est un sujet de prière ou alors c'est un témoignage? Bon, c'est un sujet de prière. En même temps, j'essayais plusieurs fois de vous appeler, mais ça sonnait personnel, ça ne tombait pas sur vous. D'accord. Allons-y vite, allons-y, drop, s'il vous plaît. Quel est le sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est que j'ai présenté le baccalauréat cette année. Oui. Et j'ai ma petite soeur aussi qui va présenter le probatoire. Mm-hmm. Donc, on aimerait que la gloire de Dieu est... D'accord.
Père, ta gloire et ta grâce dans leur examen au nom précieux souverain de Jésus. Tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Que cette grâce soit le partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Donc, voilà. Bénissons le Seigneur pour cette matinée. S'il vous plaît, les Camerounais, ne m'appelez pas sur WhatsApp. Laissons WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger. Je vous en prie, soyons gentils. Laissons WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger. Si tu m'appelles du Cameroun avec WhatsApp, je ne veux pas prendre. Allô, bonjour. Allô, papa. Oui, vous appelez d'où? J'appelle depuis Douala. D'accord, c'est un sujet de prière, mon père. C'est un sujet de prière, mon père. Ok, allons-y. Ça fait aujourd'hui presque 8 ans, nous cherchons un enfant, on ne voit pas et rien ne marche dans ma famille. Ça va. Père, l'esprit de blocage quitte leur vie et leur famille au nom souverain de Jésus. Croyant la parole que j'ai prêchée, changez de mentalité. Ne croyez pas que vous êtes né pour être bloqué ou bien pour accompagner les autres. Non. Croyez que je suis né pour réussir et ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces choses-là, la prière ne change pas certaines choses. Quand ta mentalité est négative, aucune prière ne peut changer la condition de ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Prends ta bouteille d'eau, nous allons prier ensemble. Dans le nom précieux souverain de Jésus. Père, quand nous prions, Dieu te donne la possession, la porte de cette journée et te donne la santé pour vaquer à tes occupations aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons prier. Seigneur, ta faveur dans nos vies au nom de Jésus. Par ton nom, Père, je prie au nom souverain de Jésus de Nazareth, que le mystère de l'eau ointe soit révélé maintenant dans le nom précieux de Jésus. Père, quand nous buvons de cette eau, nous prenons possession de la porte de cette journée et la prospérité sera notre partage. Je prie en même temps que les malades soient guéris, que tous ceux qui sont devenus malades ce matin, en buvant de cette eau, reçoivent de toi le don de la guérison. Seigneur, qu'ils soient guéris à l'intérieur, dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, au nom souverain de Jésus. Père, merci parce que tu nous as exaucés au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Ouvre ta bouteille de bois. Commence à dire merci à Dieu pour l'ouverture et pour la possession des portes de cette journée de lundi. Dis-lui merci pour la possession. Le micro était loin. Dis à Dieu merci pour la possession de la porte de lundi. Dis-lui merci pour la guérison, la santé que tu viens de recevoir au nom de Jésus. Et laisse ton témoignage en commentaire et partage la vidéo. Père, je prie que tous ceux qui partageront la vidéo te provoquent par cet acte d'obéissance et que leur journée soit merveilleuse au nom précieux de Jésus. Partage la vidéo. Si vous êtes connecté pour la première fois, s'il vous plaît, avant de partir, donnez-nous un petit cadeau en vous abonnant. Abonnez-vous à notre page. Laissez que vos amis et vos frères découvrent notre page. Partagez nos vidéos au maximum pour bénir le maximum de personnes. De lundi à vendredi, tous les matins à partir de 6 heures, nous sommes là pour l'émission à la lumière des Saintes Écritures qui nous a été laissée en héritage par Maman Shalom et Kané, notre maman bien-aimée. Nous bénissons Dieu pour sa vie, nous bénissons Dieu pour la femme qu'elle est. Cette nuit, j'ai beaucoup pensé à elle. Je vous dis la vérité, j'ai trop pensé à elle. C'est une femme exceptionnelle. Oh Seigneur, merci. Je dis simplement merci. Il y a des merci douloureux, mais tu dis merci à Dieu, tu dis merci au Seigneur parce qu'en fait, c'est tout ce que tu as à dire. Que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus. Merci encore pour votre présence. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. On se retrouve demain à 6h pour de nouveaux témoignages. Habitants de Douala, on se retrouve tout à l'heure à partir de 16h derrière l'immeuble Kamlé au quartier Ndokbon pour un changement d'histoire, changement de niveau et surtout pour un brisement des limites avec Jésus-Christ. I love you. In Jesus' name, shalom.